Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous proposer une recette de pain d'épices. Je suis avec Angélique. Bonjour. Et avec Jason. Bonjour. Alors, Angélique, quelle est la première étape ? 180 degrés. Très bien. Alors, on va préchauffer le four. Deuxième étape. Faire fondre, non, faire chauffer le dans une casserole de lait. Alors, Jason. Merci. Alors, il nous faut du coup 10 centilitres de lait. Pour le lait, on fait quand même attention parce que ça peut déborder, mais même s'il y en a très peu. Et on rajoutera le miel. Alors, est-ce que les honnêtes. Il nous faudra 250 g de miel. Donc pour ça, Jason utilise un petit bol où il tare la balance de mesure de 250 g. Du coup, Angélique va rajouter le miel et mélanger jusqu'à ce que le miel devienne complètement liquide. Pendant ce temps, Jason va pouvoir commencer l'étape. On va mesurer le beurre. Pendant ce temps, du coup, je vais faire fondre le beurre au micro-ondes assez lentement pour pas qu'il brûle. Donc Angélique, qu'est-ce que tu fais ? Je verse le mélange de lait et de miel dans le avec le beurre. Jason, la prochaine étape ? Ce sera de mettre 200 g de farine. Tiens, je stresse. Peut-être pas là-dedans. Normalement, la farine, tu pourrais la mettre.
Angélique, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on va utiliser cet ustensile ? Du coup, on a mis un chinois parce qu'on va mettre de la farine dedans pour tamiser, pour qu'il n'y a pas de grumeaux après, une fois mélangé. Celui-là ? Ouais. Mais de toute façon, c'est bon. Ok, je parle normal ? Ouais. Arrange un peu la caméra. C'est incorporer la levure. La moitié. La moitié. Tu fais à peu près la levure. Après, la caisse, 50 g de cassonade. Nous, on va éviter de rajouter le sucre parce qu'en fait, on a mis 250 g de miel et que ce sera déjà assez sucré. Après, c'est un œuf et une pincée de sel. Ok. Alors, un œuf et une pincée de sel. Donc, nous, on a utilisé du beurre salé, donc on ne sera pas obligé de rajouter la pincée de sel. D'autres sur Noël. C'est bien. Donc une fois que l'appareil il est bien lisse, vous pouvez rajouter les épices. Ouais, c'est ça. De pied. On en rajoute un petit peu, que ça sente quand même pas mal les épices. Parce que ça a bien bien tourné. On va protéger le moule pour pouvoir transvaser notre pain de cuisse.
soit utiliser un papier cuisson comme nous, soit sinon vous pouvez chemiser votre plat en mettant avec un petit peu de beurre, vous mettez du beurre un petit peu partout et après vous rajoutez un petit peu de farine que vous faites transvaser pour qu'il y en ait partout et que ça évite de coller pour pouvoir bien le démouler après cuisson. Vous pouvez passer par au four.